can fight our desires. But when we stop making fires. Salut à tous, c'est Red Killer Steam again. Nouvelle vidéo de setup drift sur le circuit de Trial Mountain pour ma voiture de team. La Nissan Skyline ER34 Blitz de 2007. Alors nous allons passer tout de suite au réglage de la voiture. Alors comme d'habitude, les conforts durs, suspension, vous achetez les kits, garde au sol 65-55, amortissement 25-58 12-15, amortissement compression extension barre anti-roulée comme d'habitude à l'avant 7-6-7, à l'arrière 8-7-7. L'équilibre des freins 10 et 3. Angle de carrossage 6,7 à l'arrière, 6,3 devant. Alignement moins 0,85 plus 0,85. Boîte de vitesse à 290. Vitesse finale à 585. Transmission, tous les kits sont déjà jetés, tout à 60. Puissance moteur, le turbo à fond, tous les kits sont, autres kits sont déjà achetés. Carrosserie, appui 200-100 au minimum. Poids du lest 200 kg sur l'arrière à plus 50. Alors on va passer tout de suite à la rediffusion. Donc c'est ma voiture de team de la team Mugen. Voilà, c'est parti. Très bon dans drift, c'est pour ça que je l'ai pris pour la team. J'aime bien la voiture avec beaucoup de chevaux. Voilà, c'est une voiture avec un circuit assez difficile pour le drift. Un circuit en bataille, comme son nom l'indique, très long time. En général, la meilleure est de 25 minutes ici. Voiture qui prend pas beaucoup d'angle sur ce circuit, mais qui fait beaucoup de points. Regarde l'échelle vibreur à l'extérieur. On vient sur le vibreur à l'extérieur pour régler. Dans le vibreur, c'est compliqué en DB. Pour monter. Légèrement manqué, un virage à l'aveugle pour descendre là. C'est un peu assez typique. Là depuis le premier grand chose. À bien négocier, ça vient à remonter. Donc il va renégocier sur une petite montée et on descend sur un tunnel. J'ai une entrée rapide, sinon on risque de tête à queue, de sortie de piste ou de raccrochage de voiture. Là, c'est vraiment des virages en descente. Ça fait très technique au niveau de la voiture. Quand même beaucoup d'angle. On va faire les dernières pensions pour beaucoup d'angle. Ouais, on arrive sur la droite, attention de ne pas aller trop à l'extérieur, sinon on va dans l'herbe, on perd tous et puis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo ce sera pour les voitures des années 2000 à 2014. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Red Killer Steam Game. À la prochaine.